Meneer de voorzitter, beste collega's, meneer de staatssecretaris, ik kijk er naar uit om, om met u in commissie het technische debat aan te gaan over de nog niet gepubliceerde voorlopige studie van uw administratie. Maar wat vandaag voor het is geen technische kwestie. Het is geen technische kwestie of we het willen doen met wat minder nucleaire energie en wat minder elektrabel. Er zijn landen die per direct hebben beslist, Duitsland, normaal gezien het schietsland bij uitstek voor de rechterzijde in dit land, om per direct 8 kernreactoren te sluiten. Het Japanse voorbeeld, naar aanleiding van de Fukushima-crisis, die erin slagen om op 1 jaar tijd 50 reactoren te sluiten. Wij zijn na 10 jaar, beste collega's, nog altijd aan het discussiëren of we die 3 oudste, die 3 kleinste en die 3 minst veilige reactoren, of we die zullen sluiten of niet. Dus het is geen technische kwestie. Het is een politiek debat. Want het gaat hier over politici, over hun vrienden en over heel veel centen. En die politici en hun vrienden van Electrabel hebben er de afgelopen jaren een boeltje van gemaakt. Geen beslissingen genomen en ervoor gezorgd dat vandaag, volgens Technologiefederatie Agoria, 3 miljard euro aan investeringen zitten te wachten op een duidelijk signaal. En dan de vrienden van de monopolist, die organiseren de schaarste. Die krijgen van u de kans om centrales te sluiten, niet alleen oude vervuilende brol, maar zelfs centrales van bouwjaar 1994. Waarom? Om die nucleaire centrales langer te kunnen openhouden. Dus de vraag die ik mij stel, die onze fractie zich stelt, die heel veel mensen zich stellen, die investeerders zich stellen, wilt u eigenlijk wel, meneer de staatssecretaris? Wilt deze regering het met minder nucleair en met minder elektrabel doen in dit land? En vooral, gisteren stond u aan de kant van de bestuurders van Dexia. Aan wiens kant staat u vandaag? Aan die van de consument en de KMO's of die van de monopolist Electrabel? De secrétaire d'État, je suppose qu'il y aura encore l'occasion de discuter sur les aspects techniques. Ne soyez donc pas trop long. Toujours à moi que vous faites cette demande. Mais c'est parce que je vous connais et je vous aime bien. Ah, c'est pour vous épargner. Danger. Tout d'abord, het is misschien belangrijk om eerst te zeggen, dit verslag gaat alleen maar over de productiemiddelen. Dus dat staat erin geen aanbeveling en dat staat erin geen, zogezegd, oplossing om de bevoorradingszekerheid te verzekeren. Dat is maar een stand van zaak. Wat is er nu? Wat zal sluiten? Wat is er als investeringen mogelijk die, zogezegd, hangende zijn? En wat zijn in vergelijking met hoeveel elektriciteit nodig zal zijn voor de volgende jaren. Wat zijn de mogelijke... Is er genoeg elektriciteit om dit te voorzien? En opnieuw, de manier waarop mijn administratie gewerkt heeft, is anders. Dat is niet de gemiddelde capaciteit op een jaar in vergelijking met de gemiddelde nood aan elektriciteit. Nee, het is, hebben wij op iedere moment, volgens verschillende gegevens, genoeg elektriciteit beschikbaar om elektriciteit te voorzien voor onze consumenten en onze onderneming. Omdat men weet dat de nood op elektriciteit is niet hetzelfde wanneer er groei is of niet, wanneer het koud is of niet, wanneer er veel wind is of niet. Dus dat zijn allemaal elementen die worden genomen om te zien is er genoeg elektriciteit, ja of nee. En er wordt ook rekening mee gehouden met de mogelijke importatie. Wij zijn in België voor de 11e maanden op rij netto importator van elektriciteit. Dat moeten wij ook weten. 2, dit verslag werd ook verspreid aan al de vicepremier van de regering. En ik zal ook mijn engagement respecteren. Ik zal ook mijn engagement respecteren. Ik zal tijdens de maand juli, dat stond ook in mijn beleidsnota, ik zal tijdens de maand juli komen met voorstel van oplossing om de bevoorradingszekerheid voor België te garanderen. Dat was mijn engagement en ik zal het respecteren. Sur le fond, je vois quand même certains éléments qu'il faut redire. J'ai entendu beaucoup d'éléments disant c'est un rapport pro-nucléaire suscité par une entreprise. Bon.
Je pense que nous avons pu montrer, j'ai pu montrer dans le courant de ces dernières semaines et de ces derniers mois, que quand il fallait choisir entre le respect de la loi et la défense des consommateurs, ou le camp des fournisseurs, nous avons choisi notre camp. Très clairement, personne ne peut, ne fût-ce que laisser croire qu'on aurait défendu les fournisseurs contre les consommateurs ou les entreprises. Tout le monde a pu se rendre compte de l'inverse. Et ce rapport, monsieur Calvo, que vous critiquez sans avoir lu, mais je n'imaginais pas que vous ne le critiquiez pas, ce n'est pas possible autrement venant de votre part. Donc, en fait, l'avantage, c'est que au moins maintenant, vous admettez... Au moins... Monsieur Watley, vous avez la parole. Soyez prudent avec, autour des centrales nucléaires. Je sais maintenant, en tout cas, que quand vous ne connaissez pas, la première réaction, c'est quand même de critiquer. Vous savez que dans ce rapport, il y a des éléments qui plaident contre le nucléaire. Des éléments qui disent qu'effectivement, moins vous avez de nucléaire, moins vous avez de capacité installée. Mais même ça, vous essayez de temps en temps de le contester. Mais par contre, il y a des dangers de surcapacité sur notre réseau. Ça existe. Et ça, c'est clair que le maintien de centrales nucléaires, plutôt que tout autre type de production, nuit plus à des craintes de surcapacité sur le réseau que n'apporte de solution. Tout ça pour montrer, et om opnieuw te bewijzen, dat dit verslag heeft het grote voordeel van de objectiviteit. Wij hebben en de voordelen en de nadelen meegenomen. En wij hebben dit, mijn administratie heeft dit gedaan op een micro-analyse. Centraal per centraal. Nodale elektriciteit per nodale elektriciteit. Geval per geval. Volgens verschillende omstandigheden. En alles wordt daar duidelijk uitgelegd. Alors peut-être pour clôturer, monsieur le président, comme je l'ai dit, je viendrai avec un plan d'équipement. Et un plan d'équipement, c'est des solutions pour assurer notre sécurité d'approvisionnement. Et ce plan, enfin, apportera une sécurité juridique. Parce que ce dont on a besoin, ce qui fait qu'on n'a plus d'investissement depuis des années en Belgique, c'est qu'il y a cette insécurité juridique. On ne sait pas vers où on va. On n'a pas de vision énergétique au niveau belge. Et en juillet, on en aura une. Elle fera peut-être plaisir à certains, peut-être moins plaisir à d'autres, mais il y en aura une. Il y aura un cadre dans lequel chacun saura quelles sont les conditions d'investissement. Et on y aura une réponse pour le nucléaire, mais arrêtons de limiter cela à ça. Le nucléaire, c'est important, mais l'investissement dans le renouvelable, ça l'est au moins tout autant. La manière dont on va avoir des investissements en gaz, ça l'est au moins tout autant. La manière dont on va rendre notre réseau interconnecté avec l'étranger, ça l'est au moins tout autant. Arrêtons de limiter ce débat uniquement à la question du nucléaire. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Et arrêtons de dire aussi que ce n'est que du politique. Il y a bien sûr une dose de questions politiques qu'on doit se poser. Certains disent « est-ce que je suis pour ou contre ?» Le nucléaire. De temps en temps, j'ai l'impression que la dose d'idéologie est supérieure à la réalité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je refuserai de prendre nos consommateurs et nos entreprises en otage en prenant le risque qu'il n'ait pas suffisamment d'électricité pour couvrir leurs demandes. Je refuserai aussi de laisser vivre des centrales charbon hyper polluantes simplement pour pouvoir dire qu'on a assez de capacité. Très clairement. Et je veux aussi respecter la loi. J'ai pris un engagement dans le cadre de l'accord de gouvernement qui est de respecter la loi de 2003. Je le ferai. Ça, c'est très clair. Arrêtons de limiter ce débat à la seule question du nucléaire. La question de la sécurité d'approvisionnement dépasse cet élément-là. On doit réunir sécurité d'approvisionnement, prix abordable, qui respecte l'environnement. Ce sont ces trois éléments que l'on offrira comme vision énergétique pour la Belgique en juillet. Je vous remercie.
Merci, monsieur. Le... Meneer staatssecretaris, het is bijzonder spijtig dat hier geen windmolen staat, want u hebt zoveel wind gemaakt vandaag dat u een aardige bijdrage zou kunnen leveren aan onze bevoorradingszekerheid. En toch ben ik, ondanks de vele woorden, ben ik bijzonder teleurgesteld. Ik ben bijzonder teleurgesteld omdat u geen duidelijk antwoord hebt gegeven. Het is niet duidelijk of dit een antwoord was van wat Les Senior in de jaren 80 of 90 of wat Les Junior anno 2012. Het is niet duidelijk of dit een antwoord is na Fukushima dan wel voor Fukushima. Het is niet duidelijk of dit een antwoord is, beste collega's, van een woordvoerder van de monopolist dan wel van een woordvoerder van onze samenleving, van onze KMO's en onze consumenten. Die verantwoordelijkheid neemt u niet. Die verantwoordelijkheid hebben wij 10 jaar wel genomen en dat zullen wij de komende maanden ook blijven doen. Dames en heren.